Ce soir, j'ai envie de plus de simplicité. Du coup, je vous ai mis un de mes premiers fonds, c'est-à-dire tout simplement chez moi. C'est à vous et en fait à moi aussi. J'ai acheté ce petit set de pinceaux. J'en avais déjà, j'avoue, mais j'avais pas forcément toutes les formes. Et je me suis dit que ce serait parfait pour faire une petite vidéo en simplicité, en ASMR. J'ai acheté ceci chez Action. Pas très cher, je m'en rappelle même plus combien j'ai. J'ai acheté ça. Vous avez peut-être entendu mon fils qui fait des vocalises dans sa chambre. Je sais pas si vous avez entendu. Ça m'a fait rire parce que l'autre jour je l'ai vu aussi sur une vidéo ASMR. C'est trop de bruit et je suis pas là pour vous réveiller pendant une vidéo ASMR.
Type.
Cette vidéo me permet de nettoyer ma bonnette, nettoyer mon Blue Yeti, nettoyer mon objectif. Tout ça en vous aidant à dormir. Je trouve ça royal. Je trouve ça si vous voyez une différence de son entre les deux pinceaux sur la bonnette. L'autre fois, j'ai vu que Coralie ASMR, c'est une ASMR artiste que j'aime beaucoup, elle avait des pinceaux franchement top. Là, sur le manche, c'était rempli de petites paillettes. J'adore son chuchotement. Ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, ça dépend. Moi, j'aime regarder des trucs très très recherchés. J'adore par exemple Amélie de Rendez-vous ASMR pour ça, car elle a une super imagination. Elle met des choses en place absolument incroyables. Mais du coup, quand je la regarde, je reste concentrée. Et des fois, je regarde de l'ASMR quand je travaille. Je cherche plus ce genre de vidéo comme je suis en train de vous filmer. Où du coup il y a du contenu sans en avoir. C'est moins recherché. Et si j'écoute pas à 100%, ce n'est pas très très grave. Changer de pinceau. Celui-ci également est double face.
souhaite.